Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le vlog. Donc premier rush, aujourd'hui on est mardi 2 mai. Voilà. Reprise après quelques jours de vacances que je me suis pris avec Liam. On est allé voir Taz en Alsace. Du coup, la reprise est un peu difficile. Je vous le cache pas. Donc le café est quasiment froid déjà parce que bah, j'ai filmé ma vidéo des colos terminés juste avant. Rush, bilan, mon café est déjà quasiment froid. Donc cet après-midi, je vais faire un live comme d'habitude et je pense que je vais terminer celui-ci. J'aimerais bien aussi trouver quel colo faire pour le défi de Dysiaque. Et je sais pas du tout dans lequel quel bouquin aller en fait. Je sais pas du tout. Donc son thème c'est royauté. Donc j'aime. Faut que j'arrête avec les dongles. Et alors, et voilà. En fait. Je sais pas du tout ce que je vais prendre dans ma. Je sais pas ce qu'il me reste dans ma pack. Petit spoiler, attention, 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 où j'en suis. On va allumer ça. Alors, ça m'étonnerait que je trouve quelque chose sur la royauté dans le Nukem Belt. Je l'ai encore dit, je l'ai encore dit super bien. Hop, lui il est fait. Anastasia et Illico d'Areva, je vais peut-être regarder ça. Bloc message. Ah, peut-être dans le bloc message, sinon. Peut-être. Petit carré. C'est fait. Oh, on est bien là. C'est jusqu'à quand le printemps? Je vous pose la question. Vous n'allez pas me répondre avant une semaine, mais c'est pas. Parce que du coup, il me reste Vitro, le Dunkelbunt. Oh, je vais y arriver avec ça. Hein. Et l'Anastasia et l'Icole d'Areva et le message. Donc oui, je pense que je vais chercher peut-être dans le message ou le vitraux. Un truc sur la royauté, ça pourrait être pas mal pour Dysiaque. Et après, il me restera plus que ces deux-là. Les plus complexes. Voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Hein. Mais ouais, je vais regarder ça. Il faudra que je commence à préparer pour ma. Winter pack, j'allais dire. Non, non. Ma summer pack. Voilà. Après. Oh, non, j'ai cru que j'arrivais bientôt à la fin de mon bloc. Mais non. Non, c'est l'oubli. Non. J'en ai pas retrouvé des comme ça. Je sais pas quand il va en ressortir à action, mais j'en prendrai plusieurs, hein, je pense. Je ferai le stock. Donc oui, je vais essayer de chercher après un colo. Dans le vitraux 2, faudrait que j'aille parce que j'ai fait le vitraux 1 la dernière fois. Donc je vais regarder dans le vitraux et dans le bloc message si je trouve des colos sur le thème de la royauté. Et je vous reprends après si j'ai trouvé. Je vous montrer ça. Et on peut en faire plusieurs, me semble-t-il. Donc j'en ferai peut-être plusieurs. Pourquoi pas. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que oui, on m'a dit que j'ai tendance à parler dans ma barbe. Et je sais, je commence mes phrases et je les termine comme dans. Comment c'était cette série? The Middle. Je commence ma phrase et après je suis comme ça. Et... Mais bon. Donc, ouais, celui-ci, je vais le mettre de côté. Je vais. Oh là là, j'ai tout abîmé le coup. Mais oui, il a voyagé celui-ci. Il est en haut dans la valise, du coup. Hein. Hop. Donc ouais, je vais chercher après des colos pour Dysiaque et je vous reprends après. Du coup, je me suis dit j'allais quand même vous montrer quelques idées parce que je cherche pas depuis énormément de temps, mais voilà, c'est pas si simple que ça de trouver des colos sur la royauté, tout ça, tout ça. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant si jamais vous voulez le faire vous aussi, voilà, ou si jamais vous voulez faire un duo ou quoi que ce soit. Je dis ça comme ça.
Du coup, j'ai sorti le grand classique. Là, je viens juste de le sortir, celui-là. Et il y en a certains, comme celui-ci. Ben voilà, méchante reine. Donc, il y a le prince, tout ça. Donc là, ça fait royauté. On est d'accord. Parce que c'est une princesse, elle aussi. Voilà. Là, il y a juste la reine des neiges. J'ai jamais la nom, c'est elle. Mais il y a. Merci, une interlude. J'en ai vu d'autres. Il pourrait être pas mal. Y être ensemble. C'est bien fait qu'il y avait les... Celui-ci. Celui-ci me tente bien. Parce que là, vous avez le roi, la reine, la princesse, du coup. Donc, ça fait bien royauté. Et on voit bien les couronnes. Donc, celui-ci, je pense qu'il est... il peut être pas mal. Donc, on va mettre un petit marque-la-poche. Voilà. Pourquoi pas? Hop. Se mettre un peu plus loin, vous voyez, je suis voir quand même. Est-ce qu'on. Par contre, là, la deuxième, on va pousser. Une cocotte, voilà. Du coup, j'ai masse livres sur mon bureau, là. Parce que là, voilà, je cherche un colo qui pourrait. Voilà. Là, on a juste la reine de cœur, mais elle n'est pas en amont, donc. Et je connais pas trop Hercule. C'est un roi, c'est quoi? C'est un dieu, c'est pas un. Hein? Donc ça rentre pas. Mais d'accord. Là, on a le roi. Lui, c'est le prince. Voilà, mais il n'a pas de couronne, lui. Quand j'y pense, c'est un roi. Il n'a pas de couronne. Là, c'est le roi de. C'est un roi, non? Le roi Triton? Et là, vous avez toutes les princesses, du coup. Là, ça fait royauté, je trouve. Mais bon, cette page-là, je l'ai fait en double page. Enfin, c'est pas exactement. Mais voilà. J'en ai fait une du même style dans le grand carré. C'est la fête, je crois. Donc, mais cette page peut être intéressante, je trouve. Lui, c'est censé être un roi aussi, je crois. J'ai regardé, mais sans trop regarder Costco. C'est pas bien. J'en ai vu un autre. Voilà, c'est pareil, la reine des neiges. Mais pareil, elle n'a pas de couronne alors que sa sœur, elle est princesse, elle a une couronne. Je loupe des pages. Non, par contre, j'en ai vu d'autres. C'est sourd. C'est sourd, c'est sourd, c'est sourd. Elle me tentait bien aussi. J'ai feuilleté du coup mon Vitro 2, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Là, il y a juste le prince. Donc, voilà. Là, il y a juste elle. Elle a une couronne, oui, mais bon. Je sais pas. Le château. Ça fait royauté, le château. Non. Celle-ci. Là, on voit bien la couronne. On a Prince Jean. C'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Donc, je pense que ça pourrait matcher aussi, celle-ci. Et puis, c'est ouais, c'était celle-là que j'avais. Donc, là, je me note quand même celui-ci. Sinon, j'ai oublié de vous montrer celui-ci lors de mon dernier haul. Il était là, mais je l'avais oublié. Donc, je me suis dit, je pourrais quand même regarder dans celui-ci. Et j'en ai vu quelques-unes qui pourraient peut-être le faire. Je me dis que celle-ci, c'est une couronne qu'elle a sur la tête, hein. Donc, je me dis que ça pourrait le faire. Il y en a une autre, je crois. Celle-ci, c'est couronne de fleurs, c'est pas. C'était tout? Ouais. Bah ouais. Ah, quoique non, il y a la reine des neiges, la reine des glaces ou je sais pas quoi. Cristal. Elle, je pense que ça pourrait le faire aussi. Parce qu'elle a une belle couronne quand même sur la tête. Donc voilà pour celui-là. J'ai sorti le petit carré art déco parce que ça, c'est des colos qui vont mais tellement vite. Voilà, en une journée, il est fait. Donc. Je voudrais l'avancer, avancer mes petits carrés. Et dans celui-ci, c'est sûr, il y en a. Bah déjà, lui, je l'avais fait, mais lui, il match. Hein. Hop, 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 hop. Hop. Celui-ci. Je pense que je vais le faire. Elle, la reine de cœur. En plus, je ne l'ai jamais faite, donc ça pourrait être l'occasion.
Il faut que j'arrive à faire abstraction de tous ces motifs derrière. Voilà. Donc j'arrive à... Celle-ci encore. Voilà. Ça pourrait le faire. Lui. Ah non, c'est Scar, c'est le méchant. Mais je me suis dit, le roi... Enfin, comment il s'appelle? Mufasa? Lui, ça peut le faire. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup le temps ou machin, mais vous voulez participer, je pense que là, ça peut être le bon moyen. Parce que bah, vous en avez quand même pas mal dans les petits carrés et ça va vite à faire. Je vais le combiner encore. Et bon, ça me permettrait de l'avancer. Bah, ça, c'est une... c'est pas royauté, elle, hein, je pense pas. Même si elle a une couronne. Là, elle aussi, hein. Il y a couronne hein, quand même. Hein. Princesse. Mais ouais, ça pourrait me permettre de l'avancer. Donc celui-là, je le laisse sorti, c'est sûr. Je pense que je vais aller dedans. Dans le bloc message, j'ai sorti celle-ci. Mais qu'est-ce qu'elle est dégueulasse? Enfin, je sais pas, les traits, enfin, c'est quoi? C'est un pochoir qui a été fait ou je trouve que c'est bizarrement fait quand même. Donc je me suis sorti celui-ci pour entamer mon bloc message. Pourquoi pas? Voilà. Sur un malentendu. Peut-être moyen de conclure, hein, mais voilà. Je trouve qu'elle est dégueulasse quand même. On dirait que c'est un pochoir, quoi. Ses cheveux, c'est quoi ça? Enfin, je sais pas, c'est... Donc voilà, j'ai sorti celle-ci et je savais que j'avais une Cléopâtre quelque part, mais voilà, je pensais que c'était dans celui que j'avais pas entamé, mais si, c'est dans celui que j'ai entamé malheureusement. C'est dans le Nocturne de Anastasia Eli Koldareva. Donc voilà, c'est dans le Nocturne et on a Cléopâtre. Et là, ça peut tout à fait... Bon... Qu'est-ce que j'ai dit? Ça peut totalement le faire. Voilà. La reine d'Égypte, voilà. Je me dis... J'ai un mois à perdre. Non, franchement, mais ouais, ça pourrait être pas mal à faire. Mais ouais, je ne pensais pas qu'il était dans celui-ci. Dommage, parce que j'en ai trois autres à entamer. Mais ouais, celui-ci, je me suis sortie. Je m'en suis sortie d'autres, on va regarder peut-être ensemble. Celui-ci, je sais pas trop, parce que je l'ai pas entamé non plus, le adorable caractère. Voilà. Puis maintenant, moi, je me prends plus la tête, je vais dans mes bouquins. Voilà, je fais dedans, tant pis. Je fais dedans. Au prix où il coûte, de toute façon, après, je me le rachète si vraiment. Ou je peux les avoir en PDF, je pense. Sur. C'est pas une reine, ça. La reine du cacao? Je sais pas. La reine du bretzel? C'est une bretzel. C'est pas un bretzel. On nous a menti toute ma vie. Donc, je sais pas. Ouais, je pète les plombs. Hein, je suis. On va pas avoir là-dedans. Ah, Cléopâtre. Ou celle-ci, Cléopâtre. Hein? C'est pas très causant ce matin. Hein? Mais celle-ci, ouais, je pense que ça peut être pas mal. Cléopâtre. Ah si, je l'ai entamé. Oh là là. Je m'en souvenais plus. C'est pour ça qu'il était sorti en fait. Mais ouais, Cléopâtre, je vais en avoir plein. Didi, elle est pas prête. Je vais faire de la royauté tout le mois de mai. Non. Mais bon. Puis ça me permet de feuilleter mes livres. Donc celui-ci, il n'est pas entamé non plus. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je l'ai acheté sur Vinted. Mais c'était un coup de folie. Je me retrouve avec plein de grands carrés maintenant. Va falloir que je les plastifie, que je les protège. C'est un roi, non? Ça peut faire royauté, on est d'accord. Mais je connais pas l'histoire. Merlin, oui, mais lui, c'est qui? Je sais pas. Voilà. Je ne connais pas mes classiques. Qu'est-ce qu'on a? Oh, Ariol. Je vous invite à aller voir la version de Meloria. Hein? Voilà. Vous comprendrez pourquoi. Celui-ci, je ne le ferai jamais. On va faire du gesso noir. Oui, du gesso noir.
Alors celui-ci, dans les grands classiques, et eh ben vous voyez, il n'y a pas. Hein? Il est mignon celle-ci. Maintenant, au niveau royauté, on n'est pas dedans là. Ça, c'est dans la nature. Enfin, mais ces arbres là, c'est quoi cette idée de faire du copier-coller et puis. C'est mioche. C'est mioche. Tellement mioche. Non, mais c'est pas possible, quoi. Puis j'ai dit, ouais, ça passe. Là, royauté. Là, ça passe. Elle a une meilleure gueule quand même que l'autre, là. Même si elle est pas. Celui-ci, ça pourrait passer. Hop. Et faire des marque-pages aujourd'hui. C'est bien. Hop. Celui-ci. Ensuite, bah celui où je voulais aller, en fait, ce mois-ci. Le mois dernier, du moins. Et où j'ai pas été, parce que bah finalement, c'est l'autre qui a été choisi par Kalina. Donc. Mais, ah non, dans le Mickey, on va pas trouver, c'est sûr. Après, ça, c'est lequel? Pinocchio. Les chefs-d'œuvre. Je pense que ceci, il pourrait être pas mal à faire. En faisant abstraction des trucs dégueulasses. Ça, franchement. Est-ce qu'on nous prenait pas pour des. On continue à nous prendre pour des cons, hein, quand même. Mais là, franchement, non, mais allô. Franchement. Donc ça, c'est une page, et bah, tu la colles. Voilà. On n'en parle plus. Oh, elle a une tête chelou, là. Aurore, non? Elle a pas une tête chelou? Alors. Elles ont toutes des têtes chelou. Non, je déconne. Oh là là. Quelle langue de vipère. Oh là 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 là. Ça fait très royal. Non? Vous trouvez pas? Ça peut faire royal. Le carrosse, ils viennent de se marier, c'est le prince et la princesse. Ça peut le faire. Allez, un petit marque-tapage. Voilà. Ça peut le faire, je dis. Oh non, mais ça, c'est la même. Non, mais franchement. Et j'espère qu'ils les ont pas remis dans dans le dernier qu'ils ont sorti, là, le bestouf du Art déco, parce que. Non, quoi. Je l'ai pas feuilleté, mais. D'accord. Le format est plus grand, donc les motifs sont moins éclairants. Mais non, quoi. Là, on a la reine de cœur. Celui-ci aussi, il peut marcher dans le. Pour la royauté. Mais ça va encore niveau motif. Sérieusement? Ah, c'est pareil, c'est la même page. À coller. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais coller. Et là, c'est pareil. Non, mais vous vous rendez compte? Mais on les achetait moins cher, hein, 12,90 à l'époque. Hein? Ça, c'est pareil. Allez. On fait un fil trou, hein, du coup. Allez, c'est reparti. On adore les pages comme ça. Non, mais sérieusement. On ne va pas épiloguer sur ce coup, s'il vous plaît. Là, on a essayé de mettre du gesso. Hein. On a essayé pour essayer de camoufler les trucs. Mais l'effet texturé, et du coup, vu que c'est pas mis sur toute la page, je pense que ça va faire un petit peu bizarre. Mais j'avais. Voilà, j'étais dans l'optique de la faire, celle-ci. Vous voyez, j'y suis pas. Ils essayaient de faire un double là ou. Je sais pas. Pensez-vous. Mais ça, c'est pareil. Ça. Qui va faire ça? Non, sérieusement, sérieusement. Et le Bambi, t'es obligé de faire une loupe. Ah si Mélou regarde ses vidéos, elle doit être. Déjà, elle doit avoir les yeux qui brûlent. Et là, elle doit monter. Kerker sur toi, Mélou. Mon Dieu, mais c'est.
On a une Bella qui se faufile. Allez, c'est reparti pour une magnifique double page copier-coller, hein, parce que ben, c'est facile. Hein. Ça fait des pages, ça fait deux pages gratuites là, pop, pop. Ils n'ont rien vu, ça fait deux colos en plus qui comptent pour du beurre. Mais niveau royauté, bah, royauté, là on y était aussi un petit peu, parce qu'on a le roi et le prince là. Mais c'est pas possible. Ça, c'est à coller. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, s'il vous plaît? Non mais allô. Non mais allô, Hachette. Ils chient dans la colle. Ils ont chié dans la colle. C'était pas des illustrateurs là. Ici, j'ai vu des. Si, il y avait des illustrateurs quand même. Aurélia, Stéphanie Bertrand. Ouais, bah bravo. Et imprimé en Slovaquie. Vous fait voyager. Voilà. Maintenant, je stipulerai à chaque fois. Comme ça, vous allez voir comme quoi on nous prend vraiment pour des. Rouhou! Est-ce que c'est normal qu'on nous mette ça, franchement? Est-ce que c'est normal d'avoir deux la même? Est-ce que c'est normal? Evin Rude. Penny. C'est dans quoi ça? C'est dans Bernard et Bianca, non? Donc là, ils aiment bien les doubles pages. Même quadruple. Hein. Ah oui, c'est Pixar. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de Pixar à l'époque. Et voilà, on arrive à la fin. Par contre, ça, c'était bien. D'avoir de quel Disney c'est tiré. Parce qu'il y a des fois, on cherche et on ne sait pas. Fut une époque aussi dans les blocs, ils mettaient au dos le Disney. Au dos de la feuille, c'était écrit. Ça, c'était bien. Et ça, ils ne le font plus. Et ça, c'est dommage. Il y avait des choses qui étaient intéressantes et ils ne font plus. Maintenant, ils nous mettent, voilà, ils nous mettent les trucs des kits de correspondance qui ne servent à rien. Voilà. Ouais, même avant, on nous mettrait. Voilà. Et maintenant, on nous met des pauvres trucs. Voilà. Ça aussi. Maintenant, ils ne le font plus, ça. Mais en même temps, ils en sortent tellement que c'est plus possible de faire ça. Voilà. Donc, on en a noté un dans celui-ci. Vous avez vu. Quelle belle bouse! Pardonnez-moi, mais moi je les ai. Non, celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted, je crois. Voilà. Parce qu'il y a eu une période où je voulais faire de l'art déco. Je me suis dit, allez, je vais leur donner leur chance. Allez, allez. Par contre, ça m'étonnerait que je trouve dans le vintage. Hein. Je suis désolée, mais là, non, ça va pas, meuf. T'es fatiguée. Je peux pas trouver du. Allez. De la royauté là-dedans. Alors, dans quoi je pourrais trouver? Ah! Je vais reprendre l'autre vitraux parce que j'aimerais quand même faire un vitraux. J'ai pas fait de vitraux ce mois-ci depuis Winnie, en fait j'en ai pas fait, mais bon, j'aurais bien aimé aller dans le vitraux 2 parce que j'ai tendance à plus avancer celui-ci. Du coup, ça m'ennuie quand même. Qu'est-ce que tu veux, Bella? Arrête de me tourner autour. Est-ce qu'on va avoir. Ouf, bon, ça c'est une moche, ça c'est pas moi. Je vais le répéter à chaque fois, mais voilà, pour ceux qui ne savent pas. On devrait avoir de la royauté. Faudrait que j'enlève ces post-it qui abîment. Qui me font des traces en colo. Mais ouais, il faudrait que j'y retourne. J'aime bien les vitraux. Non. Bah ça, c'est le dernier que j'ai fait. Donc, je sais même pas si je voulais montrer. En duo avec Taz, je sais même pas si elle l'a fini. Je pense pas qu'elle l'a fini. Mais voilà. Je vais peut-être un peu rentrer. C'est bon. Mais voilà. Je sais pas si je mettrai quelque chose autour ou pas. Pixouge, hein, c'est rare qu'on le voie. Je sais pas. Vous trouvez pas qu'il y a certains personnages qu'on voit pas beaucoup? Les trois petits cochons, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Patibulaire, on le voit pas sans plus. On l'a un peu dans l'histoire éternelle, on l'a un petit peu dans les vitraux, mais dans les autres livres, on l'a pas. Forcément, je trouve. Ah, celui-ci, il pourrait matcher. Pour la royauté. Je sais pas qui c'est lui.
Alors, un petit marque-tapoche. Voilà. Lui, ça pourrait le faire. Voilà. Il y a juste la reine de... Ah, c'est un mélange de quoi ça? Un mélange de, de méchants? C'est un méchant ça? Mais bizarre. Hein. Alors. Non, non. Non. Alors, en famille, est-ce qu'on a... Là, ça pourrait le faire, le roi de la jungle et... C'est le roi de la jungle. Je suis en train de me perdre là. Sauvez-moi. Mais bon, celui-là, il pourrait le faire aussi. Et je... Si, je l'ai déjà mis en couleur. Mais ouais, ça pourrait être pas mal à faire. Il est en train de se décoller le truc. Celui-là est plus avancé que l'autre, malheureusement. Non, ça c'est pareil, j'ai pas trop compris le. Ils nous ont refait la même avec mille une pattes là, dans l'autre. Mais... Je comprends pas trop le délire. Il aurait mieux fait de nous mettre la couve déjà dans le deuxième. Hein. Déjà revérifier ce qu'ils mettent dedans. Compter, faire des bâtons comme Taz. Combien pour tel Disney il y en a dedans? Parce que des fois il y a trop de du même Disney. Et des fois même à la suite. Je sais pas, mais embaucher des gens qui sont dans le milieu, les gens, chez HF. Ça c'est pareil. Qui sert à rien. Gâchis. Donc ouais, j'en ai noté quelques-uns. Mais là, je suis en train de me refaire des piles et des pires. Pareil, dernièrement, je me suis pris le. Non, je vais pas vous montrer. Non, je vais pas vous montrer. Vous l'avez pas vu. Hein. Mais, voilà, j'ai pris des trucs. Ça valait grave le coup. J'ai pris. Dans la tuque, je pense pas qu'il y ait. Peut-être dans le grand classique, ça me permettrait de l'entamer aussi, celui-ci. Que je trouve très beau. Voilà. Celui-ci, la royauté là. Ah, ils sont beaux ceux-ci. Je le trouve intéressant celui-ci de bloc. Ou j'arrête de dire celui-ci. Elle est belle. Ben là, il y a des motifs, mais voilà, c'est carnaval, on est d'accord. Je pense à Mélo à chaque fois que je vois Cendrillon avec sa robe là. Alors, est-ce qu'on va avoir de la couronne là-dedans? Ah, celui-là, je l'aime bien, mais il est dans le nature. Il est dans le nature, celui-là. Ils sont tous quelque part. Celui-ci. Celui-ci pourrait matcher. Vous voyez, je ne le note pas. Je le dis, mais je ne le note pas. Ouais, ils sont beaux. Ils sont bio. C'est en avant du coup, faudrait que je le fasse maintenant que je l'ai vu. Enfin, combien de temps ils ont mis pour le mettre alors que là ils nous ont sorti Peter Pan là. On l'a même pas fini. On a commencé le Peter Pan, mais on l'a même pas fini parce que c'est les images sont un fade, enfin les couleurs, il y a. Puis Peter Pan hindou et Clochette Black, j'ai pas compris. Pourquoi ils nous changent tous nos classiques, qu'ils fassent de la diversité dans les nouveaux? Voilà. Faites de la diversité dans les nouvelles créations Disney, je veux bien, mais les classiques, arrêtez d'y toucher, quoi. Enfin, je sais pas. Non, j'ai donc vu, lui, là. Du coup, ça va faire une un rush, un vlog super gros. Non, pensez-vous, qu'est-ce que je pourrais? Ah, ouais, c'est celui-ci. Je pense que je vais le revendre. Celui-ci, je vais me racheter le celui-ci. Je pense que je vais le revendre parce que c'est le Lionheart et j'aime pas.
Je pense que je vais me racheter le grayscale. Je préfère vraiment, vraiment, vraiment le grayscale. Donc celui-ci, je pense que je vais le revendre. Il va partir dans la pile Vinted. Ah oui, c'est vrai, j'ai celui-ci aussi. Et me reprendre le grayscale parce que je préfère vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que vous aurez compris. Celui-là, je l'ai fait. Du coup, celui-là, on sait qu'il y a Cléopâtre dedans qui pourrait vraiment matcher. Donc là, on va mettre un petit marque-tapage. Oh, la reine. Celle-ci aussi est pas mal. Celle-ci est vraiment pas mal. Je trouve. Donc, ouais. Celle-ci, je l'ai faite. Ça, je laisse là. Ça va. C'est couverture bien lisse, brillante. Ça glisse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Du coup, je me suis sorti plein d'idées et je vais pouvoir piocher au gré de mes envies. Ça va être cool. Voilà. Celui-là. Alors, dans le Cool and Beautiful Fun Fantasy de Daria Carcassonne. Sacirsoy, Sacirsoy. Pas derrière quoi. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Oh, celui-ci, la Duchesse. Mais je me sens pas. Magnifique celle-ci. A une couronne. Hein. Vous avez vu, hein? Parce que celui-là, je l'ai toujours fait en tabino plus. Et... Bon. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose dans celui-ci. Miss Bijou. Non, c'est qu'une Miss. Va pas le faire, ma chérie. Moi, je veux des queens et des cakes. Sont trop mignonnes. Hop. Celui-là non plus. Carnival. J'avais faite l'asiatique. Ouais. Sont bien là. Hop, bah là non plus, je réponds. Donc, ouais, bon. Ça fait du bien de feuilleter ces livres. Je sais pas si vous le faites vous-même, mais moi j'aime bien. De temps en temps, ça me rappelle que waouh, j'ai quand même une sacrée collection. Là, je l'avais fait le petit ours là. Et voilà, ça peut donner des idées pour les prochains colos et j'aime bien. Ah. Un Queen Carlis. Bonjour les. Bah j'ai fait une amoureuse là. Okay. Glisse pas, glisse pas, si glisse. Valentine's Day, ça m'étonnerait, mais je l'ai toujours pas entamé celui-ci. Franchement, les petites souris, ça ne me... pas me plus. Whimsy Girl.
Là, il n'y aura pas. Là, c'est des mermaids. Il n'y aura pas. Christmas, Christmas, il n'y aura pas. Ceux qui sont là. Voilà. J'ai quand même pas mal de livres Amazon. Hein. Dans quoi je pourrais aller? Faire un mystère? Ah, désolé pour ceux qui ne regardent pas les solutions. Sauvez-vous. Alors, peut-être un mystère. Le roi lion, ça peut matcher. Le sultan, est-ce que c'est pas un roi, hein, c'est le sultan. Donc lui, j'ai fait que lui, je crois, dans celui-ci. Oh, Mickey avec la couronne. Oh là là. Réponse. Oh, celui-là aussi. Il y en a plein qui iraient dans ce... qui iraient bien, là. Hein? Ouais, je vais laisser sortir celui-ci. Ah oui, j'ai fait celui-là aussi. C'est qui, ça? La petite sirène bleue? C'est qui, lui? S'ils sont gentils, ils mettent le... D'où c'est tiré, mais ils te mettent pas le nom du personnage. N'est jamais satisfait, hein. Vous voyez? Ouais. On est français. Ouais, je peux le laisser sortir. Oh là là, il est complètement... Complètement mort, celui-là. Mais ouais, je peux le laisser sortir celui-là, vu que ça fait un moment que j'ai pas fait de mystère. Bon, bah, je vais y arrêter là, parce que sinon, je vais mettre une pile comme ça, puis je vais faire que des couronnes côté. C'est vite parti pour, en tout cas. Donc voilà, pour ce rush-là, là, il est quelle heure? Je vais aller manger. Voilà, je vais aller manger, puis après, je vais lancer le live. Parce que. Mais. Je sais pas ce que je vais faire, du coup, pendant le live. Si je fais le poké, ou si je fais j'attaque déjà un colo pour Dizia, en fait. Mais je suis en retard pour le poké, donc faut que je fasse le poké. Bah des bisous, je vous retrouve plus tard pour le prochain rush. Voilà. Je vais pas filmer demain, je pense pas, mais bon, pas jeudi et vendredi, je vais filmer. Non. Bisous. Coucou. Deuxième ou troisième rush, je sais plus. Ou plus du tout où j'en suis. Je sais plus parler non plus, comme d'habitude. On a un temps de brun. Je pense que vous pouvez le voir par rapport à la luminosité pourrie. Voilà, il pleut. C'est magnifique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est vendredi parce que j'ai pas fait de rush hier, il me semble pas. Donc on est le 5 mai. Ce matin, c'est atelier plastifiage, voilà, de nuancier, tout ça. Et mon imprimante veut enfin faire du paysage. Alors je profite à fond. Je vais imprimer tout ce que je peux et plastifier tout ce que je peux des nuanciers de Mademoiselle Disneyland. Voilà, parce que je m'étais acheté un classeur à 5 exprès et voilà, j'étais en panade parce que bah, mon imprimante ne voulait pas m'imprimer en paysage. Et moi, moi j'imprime, voilà, j'en imprime deux. Et en recto verso, imprime comme ça. Là, j'ai plus qu'à découper. Faire les angles et ça sera bon et faire les petites trous et ça sera bon. Et du coup en action hier je me suis repris ceci parce que le j'en avais déjà un mais dans la version rose et la lame ne fonctionnait plus, la petite lame, voilà. Elle était trop abîmée et la flemme d'en recommander une et d'attendre et de machin. J'en ai racheté un, mais bon, je vais regarder quand même sur sur Ali tout ça pour recommander quand même une lame et comme ça j'en aurai deux au cas où. Parce que moi je plastifie rarement, mais quand je plastifie, plastifie pas mal. Là, vous voyez, ça va être atelier plastifiage ce matin. Hier en live. Hier en live, on a attaqué le mytho
avec Kili, qui l'a entamé elle aussi hier. Et voilà. J'ai fait tout ce qui est feuilles, voilà, feuilles encore et un petit peu de champignons. Ça a été fait hors live. Je l'ai fait hier soir. Voilà. Parce que j'avais pas envie de retourner dans le galerie de portrait, clairement. Donc je vais reprendre celui-ci en live tantôt et bah, je pense qu'il sera fini aujourd'hui celui-ci. C'est possible que je le finisse aujourd'hui, franchement. Je pense à changer mes piles aussi. Je suis en train de me dire, il faut que je change les piles de celle-ci. Et si il va falloir que je m'achète des bonnes piles si c'est ça le souci, je sais pas pourquoi. Il me semble que je les avais changées il n'y a pas si longtemps que ça pourtant. Moi j'avais peut-être mis des piles pas pleines déjà dedans. C'est fort possible. Hein. Bonjour Bella! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Donc je vais continuer voilà, mes petites activités du matin. Parce que ben, ce matin, tranquille, j'avais juste la vaisselle à faire. J'ai fait deux machines hier. Si j'aurais peut-être du linge à plier si c'est sec là. Mais voilà, je ne vais pas relancer les machines dans l'immédiat parce que ça y est, mais j'ai réussi à me remettre à jour niveau linge. Parce que bon, Doudou avait mis à jour le temps qu'on soit parti quelques jours chez Taz, mais bon, je suis revenue avec la valise pleine de linge sale, donc voilà. Enfin bon, bref, la vie, quoi. Non, pas de bêtises, Bella. Ouais. Donc, je vous retrouve sûrement plus tard, où je ferai peut-être, je vais peut-être en découper quelques-unes avec vous, et hein, qu'en pensez-vous? Je vais en découper quelques-unes avec vous. J'ai sorti masque crayon et j'ai ressorti les luminances. Voilà. J'ai utilisé une palette de couleurs de Sarah. Je crois que c'est ça. Je sais plus. René Clark. Chaque fois que j'ai un truc pour mettre mes crayons en cours, je le blinde d'autres de bordel. Ça me. Je suis vraiment chiante. Hein. Un truc de fou. Je peux pas non garder un pot avec juste mes crayons d'encre. Non, il faut que je remette d'autres crayons dedans. Ça, qu'est-ce que ça fait là-dedans? On ne sait pas, on ne sait plus. Pareil, avant j'avais mon tourne. Celui-là, là. Pareil, je mets la blinde de bordel. Mais je l'ai collé du coup là, parce que j'en avais marre qu'il fasse que de se démonter en fait. Il vient de chez AliExpress si jamais ça vous intéresse. Ici, il sera plus visible. Les deux teams, bon, ils ont rien à faire là. Enfin, c'est chiant quoi. Je suis chiante. Les crayons des encours ici. Et c'est tout. Je veux bien mettre voilà, mes pinceaux à réservoir d'eau. Ben, voilà. Les jellies, normalement, elles sont censées être celles-ci. Fineliner aussi. Je suis relou quoi. Le crayon, il va très bien ici. Je me suis acheté aussi un porte-mine, je sais plus si je vous l'avais montré, je me suis acheté un porte-mine sur Ali. Comme ça, je récupère. Voilà, quand j'ai une mine de cassé Prisma, hop, je peux la réutiliser quand même. Est-ce qu'elle va vouloir se remettre? Voilà. Ça, je peux quand même l'utiliser. Du coup, je garde mes petites mines voilà, de côté quand j'ai besoin. Par contre, j'ai pas. Je sais pas quel crayon c'est, mais bon, si j'ai besoin toujours de machin. On va pas chipoter, hein. Faudra que je range mes Albrecht. Ça et un blender. Le blender, là. Non, non. Là. J'ai quelques crayons à ranger quand même. Pour se cacher. Blender. Là. Ça. Là. La petite pince. Là. Est-ce que vous aussi, vous êtes bordélique? Dites-moi. Mon noir et mon blanc, c'est important. Hop là. Pinceau. Il faut vraiment que voilà, que je me prenne un clavier et une souris sans fil parce que c'est un peu relou. Franchement, franchement. Bon, alors, on va se couper ça. Faut déjà que j'ouvre ça serait bien. Je pense que je vais arrêter le vlog aujourd'hui, du coup, parce que. Il risque d'être beaucoup trop long. Le dernier rush était déjà long, il me semble. On a fait feuilleter pas mal de livres pour choisir le colo royauté. Alors, je veux bien
Je me souviens plus que le lot était envoyé comme ça. J'ai la chanson de Te Lavabo dans la tête. Caisse automatique. Tapis mécanique. Enfin, bref, j'adore Te Lavabo. Si tu passes par là, mon cœur, cœur, cœur. Allez. Il avait peut-être dû faire ça le dernier. Je sais pas, je pense pas où il est. Ah, puis il y a même un petit cache, un petit cachemine en plus. Oh, la cachemine, non, c'est pas cachemine, c'est cache-lame. Oui, en fait, il est là, mais il tient pas là. Il est d'accord. Donc, il faut que j'arrive à trouver un endroit où le mettre. Et pour que je me souvienne d'où je l'ai mis, quoi. Quand j'en aurai besoin. Parce que l'ancien, je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Où est-ce que je vais le mettre? Franchement, je ne sais pas. Je vais mettre ici. On poste ici. Allez. Toi. C'est parti. Oh, il fait vraiment pas beau, quoi. Mais vraiment pas, vraiment pas. La souris va me casser les pieds. Allez. Donc au début, je coupe un peu à l'arrache. Ok, je vais essayer de couper. Ça va faire du bien de ne pas avoir une lame émoussée. Je crois que ça fait comme ça. Ça, des fois, mon truc, c'est chiant. Ouais, ça fait bien. J'ai vidé ma poubelle ce matin. Je pourrais recommencer après. Du coup, ouais, c'est bon. Là, je vais faire les coins. C'est que j'ai mis mon... Je vais faire combien de tiroirs avant de les trouver pour celui-là? Non. J'ai ramené. Oh. Agaçant. D'accord. J'ai acheté le billet. Ah, il est là. Alors, et après, bah, je l'avais pris sur Amazon. Amazon. Je vais faire le 7. Ouais. Et voilà. Et là, j'aurais plus qu'à faire mon petit trou, mettre mon petit ruban. Une fois, je les aurai tous. Voilà. Ça fait. Donc ces nuanciers, vous les avez dispo. Cette tasse Nemokolo, je ne sais plus si elle a mis un drive, si elle a mis quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à aller la voir sur Insta, vous la MP, vous lui demandez et elle vous enverra le fichier. Du coup, ça brille avec la lumière. J'ai allumé. Pas que je coupe trop près, sinon après, le plastifiage ne va servir à rien. Voilà, ça sera enfin fait. Et après, je pourrais commencer mon nuancier. Non, finir mon nuancier Disney Tense. Mais bon, j'hésite parce que je me dis, est-ce que je vais prendre les nouvelles teintes ou pas? Je sais pas. Je sais. Je pense que
j'ai suffisamment de quoi faire avec celles que j'ai. Même si. Si jamais on me les offre. Mais je pense pas que je me les achète tout de suite maintenant. Donc je vais faire mon nuancier. Et je le referai s'il y a. Un jour. Hein. Les autres teintes arrivent chez moi. Voilà. Ça c'est cool. Ah, ça fait du bien une lame bien aiguisée. Parce que là, je peinais dernièrement avec l'autre. Je peinais. Mais il va falloir que je m'en achète d'avance. Comme ça, je n'aurai plus ce souci-là. Dès que ça commence à peiner, hop, je change et puis on n'en parle plus. Les moments, il veut plus. Voilà. Hop. Je fais quand même gaffe avec ces trucs-là parce que Bella, elle mange tout et n'importe quoi. Hier soir, elle a mangé un fil de gazon plastique là qu'on a sur le balcon. Elle est pénible et puis après, bah, c'est de vomir même. Elle n'y arrive pas. Enfin, elle me casse les pieds. Là, comme ça. Non, ça va toute seule. Okay. Quoique, vous voyez, je dis que ça va tout seul, mais là, il ne l'a pas. Voilà. Ça, c'est bon. Là, on va Et là. Bon, faut éviter de couper trop bord parce qu'après bah, ça n'aura pas plastifié, ça sera complètement ouvert. Ça m'est arrivé sur je sais plus lequel. Je crois que c'est les Albrecht, mais en même temps j'utilise du papier beaucoup plus épais pour mes gammes aquarelles. Là, bilan, bah, j'ai dû re-scotcher sur le côté parce que c'était complètement ouvert. Voilà, ça c'est cool. Après, on a tout ce qui est feuille combo. Là, je vais venir. J'avais visé à peu près là. Ça va venir bien là. Voilà. Ça. Je sais pas trop si je recoupe là ou pas. Parce que mon classeur il est où? Là, il faut aller là. Ah. On aime les pantalons slim. Que dès que vous asseyez, il y a tout qui part avec. C'est génial. Des belles inventions quand même. Très pratique, très très esthétique. On va faire comme ça, je pense. Niveau hauteur, je pense pas toucher par contre. Juste... Normalement, il est bien réglé. Ah ouais, du coup, je vais l'avoir en pas dans le même sens. Ça, j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Du coup, quand j'ai celui-là là, lui, il sera de l'autre côté, comme ça. De toute façon, la plupart du temps, je détache ma fiche. Et Mademoiselle Disneyland, vous n'avez pas la couverture. Dire que c'est Alice et puis. Non, c'est pas grave. Bon, ça va donner ça. Comme ça, je suis Alice de l'autre côté. Mais bon, j'ai pas perdu de feuilles, quoi. Je veux dire, niveau gaspillage, on est bien, quoi. Je pas
Le petit trou. Est-ce que je fais les angles? Non, franchement, je vais pas faire les angles. Je crois quand je fais ça. Allez. Hop. Mais oui, ça va aller très bien. J'ai mis à l'envers, c'est pas grave. Allez. Bon, bah, je vais continuer à faire ça. J'ai encore ça à percer. Je vais peut-être faire ça avec vous. Vous voyez comment je l'ai. J'ai pas tout là. Oh bah non, j'ai pas tout. Mais bon, je vais juste vous montrer comment je fais. Je prends mon truc et puis j'essaye de viser. Voir. Je prends un petit trou et après bah, je vais chercher mon petit ruban. Un petit ruban de chez Action. C'est déjà fait. Je mettais pas encore de washi à cette époque-là. C'est les premiers que j'ai fait ça. Maintenant, je rajoute une touche de washi. C'est celui-là, j'ai trop coupé. Regardez, il est ouvert. J'ai coupé trop au bord. Et là, déjà, j'avais pas coupé mes. Enfin, celui-là, je l'ai fait trop rapidement en fait. C'est ça le souci. Je l'ai fait trop rapidement. Ça me fait penser. J'ai des marque-pages. À plastifier. Ah ouais, mais il faut que je découpe des papiers. Ça aussi, il faut que je fasse. Je vais faire ça aujourd'hui. Vu que j'ai sorti la plastifieuse, je fais aujourd'hui. Hein. On remet pas les choses au lendemain. Hein. Là, aujourd'hui, on est productive. On est au taquet. Je sais pas quelle couleur je vais utiliser pour ceci. Là. Peut-être celui-là. Mais il va falloir que j'en rachète quand je pense. Parce que il me reste quoi? Du bleu, du rouge. Il me reste le noir, le jaune. Ensuite, je peux encore faire quelques nuanciers là. À Action, voilà. Des choses qui sont sympathiques. Je sais pas s'il y a un truc comme ça, Action ou pas. Je sais pas. Peut-être. Peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous savez si ça pourrait aider certaines. Si jamais ça les intéresse et qu'elles ne savent pas, voilà, ça pourrait peut-être être moins cher que sur Amazon. Donc si jamais vous savez s'il y a cette chose-là, un peu le même style. Action, ça pourrait être sympathique. Voilà. Du coup, je vais vous laisser là, je pense. Parce que je pense que je vais y arriver. Le vlog va déjà être suffisamment long. Ça va être sympathique à monter, tout ça. Et on se retrouvera bah, la semaine prochaine. Voilà, on reprend le rythme, le bon rythme. Et j'espère que le vlog vous aura plu. On n'a pas entendu l'hélicoptère, tu vois. Il arrive ou il s'en va? Non, je crois qu'il s'en va. Ouais, vu que je suis pas loin du CHU. Non, il arrive, il va se poser. Je vois pas le toit du CHU. Mais. Pas loin. Enfin bon, bref. Vis ma vie. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc de toute façon vous avez les vidéos du dimanche. Là normalement vous avez une vidéo en plus samedi. Voilà, le samedi je vous mettrai peut-être les replays, certains replays de live. Voilà, on sait jamais si ça peut vous intéresser. Si jamais vous voulez vraiment pas venir sur Twitch, vous aurez quand même les replays. Sur YouTube. Mais bon, vous n'avez pas le son. À part ma voix, voilà. Vous n'avez pas les alertes, vous n'avez pas les commandes sonores non plus, je pense pas. Vous n'avez pas la musique. Bon, je chante pour vous. Ouais, vous en avez de la chance. Donc oui, je pense que je mettrai les replays le samedi. Là d'ailleurs, je dois avoir celui d'hier à télécharger. Je vais faire ça parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et celui, voilà. Vous en aurez. Voilà. Un samedi peut-être. Vu que je fais 3 lives par semaine, ça va. Alors je vous en mets peut-être le mercredi aussi. Enfin, à voir comment ça. Si je les télécharge tous ou pas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Bon, moi je vous fais des bisous. C'est quoi cette mouche? Elle sort d'où? C'est la première que je vois cette année.
Je sais qu'il y en a pas mal qui sont déjà embêtés avec pas mal de mouches, mais là, c'est la première que je vois cette année. Elle va pas faire long feu, je vous le dis. Allez, des bisous. Et à bientôt. Ciao.